Et voilà, deuxième VOD de la soirée, nous allons à Guarma avec beaucoup de monde. Allez, embuscade, hein, tu donnes tout. Voilà, c'est parti, avec embuscade. Ah, j'aime beaucoup ce nom, c'est très sympa. Allez, moi aussi j'aime beaucoup. C'est qu'il est beau, hein. Il a un côté presque dragon. Quand il court là comme ça, regardez comme il est beau. Vous avez fait de la place pour... Oui, oui, oui. J'ai appelé Bijou tout à l'heure pour ranger un petit peu plein de choses. En plus, je sais plus pourquoi j'avais des graines de cannabis sur moi. Vous savez qu'il y a du fin par... Ah oui, d'accord. J'en avais pas beaucoup. Ce que vous voulez, hein, Je crois que c'était Prosper qui m'avait montré où il y en avait, alors j'en ai pris une poignée. Voilà. Et j'ai jamais su quoi en faire. C'est un réflexe. C'est pas très loin d'Armadillo. Bah, je pourrais, il pourrait vous montrer ça. Oula. 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 Bon alors, il s'est pris pour un chamois. Oula, j'ai un peu peur là. Hein, on lui a parlé de drogue, il est peut-être sensible. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Mais oui, on pourrait vous montrer, puisque bon, j'ai pas su quoi en faire moi, mais peut-être que vous saurez. Non, mais c'est par curiosité, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon, tout à fait, c'est important de s'instruire. Bah oui. Oula. Oula. Oui. What the fuck? Allô? Y'a quelqu'un? Vas-y. J'ai appelé Bijou, et puis je vais laisser le cheval ici, hein. Doudou, Bijou, doudou. Doudou. Mal de tête, ouais. Combien sur moi? Ah, j'ai 10 kg 36, mais c'est pas bon ça. J'avais posé des trucs. Je vais nourrir. Moi je vais aller, hein. Tant pis, mais bon. Ça marchait, hop, hop. Et du coup, c'est quoi que je voulais ranger? Putain. On m'avait attendu ou... Eh ben, disons que j'attendais Daphné puisqu'elle a eu un... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais je voulais voir si... Je pense à un mal de crâne multiple. Il s'est d'être ça. Je me suis dit, bon, est-ce que je l'attends, est-ce que j'attends pas? Après, c'est où on va, donc c'est pas bien grave. Ouais. Vu que son cheval est plus rapide, je me disais que j'allais peut-être y aller. C'est pas de mauvaise idée. Alors, où est-ce qu'on est? Ouais, on a encore une petite trotte en plus. Ouais, encore un peu. Bon. Dans le bon comté. Bon, bah, je vais y aller, je pense. Et puis. Madame Duval? Ah, j'entendais. Ça moi. Va? Ah, vous avez perdu en route, je crois qu'on a eu un mal de tête collectif. Eh ben tout à fait, on s'est tous perdus. C'était... Ça, c'est l'eau de Blackwater, ça. Ah c'est... C'est compliqué aujourd'hui. Attendez, parce que du coup j'ai perdu mon chemin. Il y a deux chevaux. On est parti. Allez, on galope. Un Guarma, ça ira mieux. Oui. J'espère, parce que sinon ça va poser des problèmes. Vaudrait mieux, en fait. Oui. On va espérer que ça ira mieux. Faudrait que je pose des trucs. Pire, je mangerai du pain, ça me fera de la place. Ouais, je ferai ça.
Parce qu'il manque encore 3 kilos, 2 kilos. Bon, à libérer, ça va. Et en effet, votre canasson va plus vite que le mien. Ah bah il est totalement oui, hein. Ah, le mien aussi, mais je pense pas que ça soit le même niveau. En fait. Ah, c'est pas la même race. Il coûte combien le vôtre? Une trentaine. Ah bah c'est pour ça. Et le vôtre, il coûtait combien? 80, c'est pas le plus cher. Ah oui! Attendez, on va peut-être attendre monsieur un peu quand même. Bah en même temps, ça se voit qu'il est plus taillé, pour la course, le vôtre. Bah oui. Je disais c'est 80 le bien. Ah c'est pas le... Encore c'est pas le meilleur, hein. Je crois qu'il y en a 300 qui vont... Oui, oui. Ah oui. Ah oui d'accord, 300. Oh, je pensais pas que ça allait jusque là. Oui, moi on m'indique à droite. Le petit Billy m'a dit que c'était à droite. Bah c'est qu'après sinon on se dirige vers les rails. Et du coup bah c'est un peu plus risqué. Ah on est toujours obligé d'attendre les hommes, c'est... On ferait pas la partie là-dessus. Ouais, faut que je ralentisse un peu. Ah, je suis au bout, moi. Bon, de toute façon. De toute façon, c'est pas pratique de parler à cheval. Non, c'est sûr. Sauf moi, je peux vous dire plein de trucs. Oui, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Oui. Comme ça, je peux même chanter, vous serez obligé d'entendre tout. Mais j'aime ah, pas chanter. Chanter. Non, pas du tout. Ah, j'aime bien entendre les gens chanter, c'est pour ça que ça me, ça me faisait plaisir, moi. Ah oui. Ah, ah, je... J'ai pas vraiment la voix. Ah, vous savez que ça fait 3 jours que je harcèle Monsieur Malone, je sais pas si vous savez qui c'est. Monsieur Malone... Non. On m'en a parlé plusieurs fois. Ça fait 3 jours que je le harcèle, je suis allée à son cabinet et tout pour l'entendre chanter. Ah, mais il chante. Oui, oui, oui. Mais du coup, j'ai pas pu parce qu'il avait des problèmes, mais il m'a dit qu'il ferait ça un petit jour. Ah oui. Oh bah comme je disais, tout à l'heure, il y avait des petits troubadours à Blackwater. Ils chantaient vachement bien. Ah, mais il y en avait aussi à Armadillo. Bon, c'est peut-être les mêmes. Peut-être qu'il y a, parce qu'ils sont, ils sont itinérants, donc ils vont dans les villes et puis ils chantent. Oui, mais le nôtre, il était tout seul. Donc, ah oui, bon, ils étaient deux. Il y avait... Et c'était le jeune homme qui chantait et qui faisait la musique. Et ben... C'était fort sympathique. C'était pas Monsieur Robert ? Il a pas dit son nom. Il a dit qu'ils étaient... Ah, j'ai oublié, les troubadours Bennett, je crois. Oui, les Bennett. C'était pas lui... C'était pas un homme noir avec une voix un peu rock ? Ah non, il était plutôt... C'était un lapeau clair qui avait une voix assez... un peu fluette, on va dire, mais une très jolie voix. Ah non, mais c'était pas une grosse voix grave. C'est pas lui, c'est pas lui. Ah, mais il y en a d'autres, alors ? Oh, j'aime bien les voir. Oui, il y en a plein, il y a Emerald aussi, super bien. Ah mais je l'ai croisée mais elle a pas chanté. Ah faut lui demander. Je crois qu'elle fait des mariages, elle fait des animations. Ah oui. Elle a chanté pour le discours de Monsieur Pennyworth à la mairie. Oh. Oh ça devait être sympa. Ah oui c'était pas mal. C'est... Mais ils font parfois aussi des spectacles à des endroits bien particuliers ou... Je sais pas, vu que je sais qu'il y a des théâtres ou des saloons qui peuvent accueillir. Je crois qu'ils en font au théâtre de Saint-Denis, mais je suis pas sûre. Ah, j'aimerais bien ça. Mais au théâtre, à chaque fois, je loupe le coche. Je le sais qu'après. Ah mince. Ouais, bah c'est un peu mal informé, j'ai l'impression de faire. Bah, même dans la Gazette, on a pas trop d'infos. Alors que bon, c'est la Gazette de Saint-Denis, on pourrait se dire qu'on aura des infos là-dessus, bah pas trop. Vous savez, ils préfèrent. Se contenter de pas grand chose, j'ai l'impression, en ce moment. Oui, c'est un peu vrai. Allez, en plus, cadre, on repart. Hein. On va pas laisser le monsieur nous rattraper quand même. De fierté. Après, il en a deux à porter celui-là, donc bon. Il est déjà c'est de toute vrai. Façon. De toute façon, il est déjà plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Après, on est pas très grosse, hein, vous et moi. Ah, vous non, mais bon, moi je commence à... Voilà, j'accuse le poids des années, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, c'est l'âge. Ah, vous savez, je trouve que vous êtes bien conservé. Ah merci, c'est fort aimable. Le Bayou. Tout le monde n'est pas aussi aimable. Ah, mais je suis quelqu'un de très aimable. Hein. Oui, ça c'est vrai. Je suis étonné que vous l'ayez pas remarqué d'avant. Oh, mais bien sûr que si, je l'ai remarqué tout de suite. Ah,
c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il fait humide ici. Allez, bah, le bayou. Vous savez que j'aime bien, moi. Bon, dommage qu'on puisse faire attaquer à tous les coins d'arbres. Oui, c'est ça, en fait. C'est que j'aimerais bien visiter la région, parfois, mais bon. Un peu risqué. Oui, oui, oui. Des gens pas très aimables, je crois. Entre les gens et les alligators, bon... Et entre les gens qui ont des têtes d'alligators sur la... J'en ai pas vu encore. J'ai vu des têtes de loup, pas d'alligators. Ah non, oh, j'ai pas vu ça. Ah, c'est assez, assez particulier. Attendez juste que je regarde ma carte. Ils ont abandonné leurs chevaux ici, comme ça. Ah mais les gens font n'importe quoi. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai croisé une fois un cheval complètement mort sur la route, en plein milieu. Mais un cheval à quelqu'un, hein. Ah oui. Oui. Il était scellé avec sa coche, tout ça. Voilà. Suivez-moi, je vais vous guider. Je suis. Ah mais vous avez jamais été à Saint-Denis, vous, c'est vrai, du coup. Il y en a beaucoup qui aiment pas Saint-Denis, mais moi j'aime bien. Bienvenue chez les bourgeois, monsieur Clint. Ah oui, alors j'ai cru comprendre que dans cette rue, il y avait à peu près tout le gratin de Saint-Denis qui habitait. Ah bah c'est le gouvernement. Oui, voilà. Ah bah bonjour monsieur Laird. Bonjour. Non, c'est par là. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'aller chez les bourgeois, donc des fois je me perds un peu. Vous voulez partir vite? Oui, c'est ça. C'est l'instinct de fuite, ça c'est non. Dès que je vois des bourgeois, non, non. Pas les cuillères en or. Ah bah ils gardent bien leurs chevaux ici, disons. Ah ils sont... Ouais, pas de risque d'accident comme ça. Un petit peu. Ils sont lâchés. En plus c'était toute la même espèce. Mais il y a des chevaux partout en fait. Oui, c'est des chevaux sauvages depuis quelques jours. Ils s'échappent. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Puis après, ils savent plus où se foutre alors. Ah. Il y a même des chevaux invisibles. Oh, oui, oui, il semblerait, oui, ou des très grosses racines. Vous savez que hier, on est allé à Armadio, il y avait une chèvre sur le toit. Et elles font ça parfois, il paraît. On sait pas comment elles escaladent, mais elles escaladent. Une chèvre sur le toit. Monsieur Dubois avait mal. On dirait le nom d'une pièce de théâtre. C'est mort parce qu'il y avait un mort qui essayait de se relever de la fosse, donc bon. Un mort qui essayait de se relever de la fosse. Oui, oui. Mais ça me fait penser à Armadio. Oui, c'était la dernière fois, Armadio, il y avait aussi des... des personnes qui tenaient le télégramme. Ça avait l'air d'être deux personnes mortes. C'était les deux mêmes, comme des jumeaux. Puis ça avait la peau bleue. Ah bah c'est possible. Oula. Bonjour. Bon, écoutez, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Terminus, tout le monde descend. On est là. Tout le monde descend. On est là, toi et d'autres gens. Ah oui. Oui, tout le monde est là. Ah, il veut pas fuir. Vous avez ça. Ah. J'ai la forme, moi. T'as été une bonne Venise. Oui, j'ai été. On a eu un petit mal de tête avec, avec la Miss Daphné, mais ah c'est rentré dans l'ordre. On dirait un il a voulu fuir, mais plus tard. Ah bah voilà, je vous offre un truc et j'y vais. Bougez tous dans tous les sens, ça vous dérange pas, bougez pas tous dans tous les sens. Comme ça je sais qui j'ai donné de faire pas. Oui, vous avez ça. Incroyable. Petit problème de mâchoire. Non mais pas trop quand même. Ah, il vous a remis la mâchoire en place ou c'est ça. Non merci. Un petit coup de 4 de Madame Daphné, c'est pour remettre un peu les cervicales et la mâchoire. Ah, le Chico il est parti là, ça y est. Plus tranquille. Et hop. Et hop. Et bien c'est bien. Et ben on va aller sur le quai. Faites bien attention. Monsieur et Bamato. Enfin, au monsieur, de bien dire que vous prenez votre ticket et pas d'en acheter un à 5$. Ah oui, d'accord. Oui, c'est dommage. Oh, merci. Ah ouais. Oh, de toute façon, j'ai pris les 5$, donc ça tombe bien. Vas-y, madame, passez devant. C'est fort aimable.
Ça va, petit Bernator? Bon, par contre, j'avais fait de la place et en fait, bah, j'ai pas. Ah oui, c'est une grosse embarcation. Ah oui, dis donc. Ah bah oui, on était déjà monté dessus, mais il y avait plus de capitaine, alors on pouvait pas y aller la dernière fois. Vérifiez que vous avez le ticket sur vous. Ah ouais. J'en ai qu'un, moi. Je vais regarder le point. Alors, je vais regarder. Vous avez un ticket, madame Pearl? Ah, j'en ai qu'un. Il y a un ticket, mais j'ai pas le choix, ça me dit. Il veut aussi que je l'achète. Bah ouais, moi aussi. Il veut pas prendre mon ticket, il faut... qu'il est pas bon. Si? Alors... Ah, ok, d'accord. Si, il faut dire oui. Et après, il vous demande des précisions. Ah, d'accord, merci. D'accord. Let's go to Guarma! Oh ouais, je vais choper le mal de mer. Moi, si je vomis, quelqu'un pour tenir mon vomi, mise du vin dans votre chapeau! Non! Comment ça, non? Faut donner à manger au poisson. Je vous garantis que vous allez ravaler votre gerbe, hein! Je serre les dents! Pour en vomir! Ah, ça a pas l'habitude du bateau! Oh non! Vous avez bien raison. Ah. Vision qui a changé de couleur. Attention. Désolé. Y'a pas de problème. Oh. Ça fait trop bizarre. J'ai cru que c'était un troll qui t'imitait. Ouais. Regardez la balle. Oh, ça a marché, hein, t'as. Pantalon blanc ou. Pantalon blanc, ouais. Ils sont juste là-bas derrière. Ils regardent. D'accord. Bon, normalement. Ah, oui, j'en vois là-bas. Ah, oui, je vois ça. Ça devrait pas poser problème. Attends, mais c'est à vous, ça, tous ces gens, hein? Les gens sont d'armes, ouais. Oui, nous sommes ces gens. Ouais, en effet. Ah bah, on vient pas du tout. Nous sommes son personnel. Ah, justement, monsieur Ray, on m'a parlé apparemment que vous vouliez faire du minerai raffiné. Il y a besoin de minerai raffiné, ouais. Avec Bennett. Un petit bandage. Envoyez un petit télégramme à mon frère. D'accord. Au pire, je verrai des appâts. Et puis, d'accord. Vous dites quand est-ce que vous venez, de toute façon, vous connaissez les tarifs. Demain, regardez, demain, on est à Guarma. Ramène une équipe dans le genre là. Ça, ouais, y'a pas de soucis. Non, juste pour recontextualiser rapidement. Cool. Parce que le temps joue. Pas trop long parce que vous avez vu là. C'est ça. Là, ah oui. En fait, du coup, monsieur Duc, juste pour recontextualiser, faut juste envoyer donc soit à moi, soit au télégramme que j'ai donné à monsieur Bennett tout à l'heure, juste nous donner les noms des personnes qui viennent. Et que nous en fait ce qu'on veut c'est pas le monopole du marché, le minerai on le fait pas pour gagner de l'argent, juste pour le contrôle dessus. C'est pour ça que du coup par minerai que vous sortez de la mine, je veux juste une taxe de 5 cents, c'est pas grand chose, 5, ça aurait... ouais. 5 cents, okay. Parce que le prix est passé à 35 cents du minerai raffiné, c'est pour ça. Ouais. Et donc du coup ça reste de l'ordre du symbolique, mais c'est pour que nous on garde le contrôle entre nous et le système de la mine. Ouais, allez, de toute façon c'est bien qui fera la différence, pas exactement. Gary. Et attends, c'est quoi qui arrive là-bas là? Bon, on vous laisse, allez-y. Bon, ouais, monsieur, ouais, je suis désolé, mais. Merci beaucoup, monsieur. Bonne merci journée à vous. Bonne journée. Bonne journée, travaillez bien. On va passer à gauche. Ouais, bonne soirée, j'ai essayé. On va les prendre là. Gauche. Ah, c'est dans le terrain. Les gens avec moi. C'est qui les guerriers qui vont à droite? Il vous faudrait une petite pancarte. On suit les mains levées. Levez les mains, monsieur Duke. On suit l'archer. Ça fait vraiment ça, touriste. C'est très joli. Ouais. Pour avoir un souvenir. C'était la fraternité. Ouais. C'est très joli. Oui, ah, c'est très beau. C'est vraiment. Je confirme. C'est exotique. Mmh. Ouais. Je vous ferai bientôt un petit guide, mais là on n'a pas le temps. Ouais, on ira plus tôt. On démarre. Waouh, bon, c'est un peu en ruine, mais c'est joli quand même. Ah, je vais te montrer un truc magnifique par là. Ok. Arrêtez-vous, oui, s'il vous plaît. Ah, attendez, je vais parler aux apaches. Aux guerriers. Vous allez bien? Ça va et vous? Ah, ça va, oui. Est-ce que vous voulez voir petite taxe? Alors, c'est quoi, petite taxe? Combien? Soit. 20 plus billets verts, oui. 20 billets verts? Oui. Eh ben, dis donc. Être civil, pas être famille. Civil, mais non, civil, bien sûr. Ah, ben. Ah, ton pouvoir d'amener, c'est que ton oui, voilà.
pas donné. Tu vas faire un geste trop tôt. Ouais. Vas-y donc. Comment vous avez quelqu'un me file 10. J'ai 2 dollars. Ouais, je peux vous les passer. Hein. Alors. Pouvoir donner petit plat, c'est que ton vouloir, oui. Oui, petit plat, j'avoue que. Est-ce que vous avez des petits plats à donner? Je peux vous donner 10 Oui, moi aussi. Un peu. Moi aussi je peux. Hein. Allez-y. Ouais. Vous voulez des plats? Voilà. Ah, plat, j'en ai plus. C'est bon. J'en ai un. Bonsoir. Là, c'est prêt. Vous pouvez pousser, Prosper? Bonsoir. On a filé 10. Ah, excusez-moi, je l'ai posé à terre. Boulot. Ah, être oui. Guerrier. Ça va être bon, oui. Guerrier. Avec tout l'homme, vous guerrier. Ça tente, oui. Guerrier. Vous voulez faire quoi? Comment toi aller? On va faire du souffle. Si vous avez des problèmes, vous pouvez venir nous voir. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes? Bon, j'ai des problèmes avec personne en général. Moi. Va être bien alors. C'est jamais. D'accord. C'est gentil. Allez, bon ménage, oui. Merci. Bon. Qu'est-ce que vous faites, Atoche? Pas du tout stressant, cette île. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, je t'avais dit que... C'est plus taxé que la France, ici. On essaie d'avancer un peu plus vite. Hop là. Ah, il s'est... Oui, ça va. J'ai bien mangé avant. Sur la hanche en bois. Ah, je sautille. Montez sur mes épaules, Denis. Faut gainer. Messieurs, dames, devant vous un télégramme. Ah oui, d'accord. Pour vous changer, tout ça. Ah, faut le savoir. D'accord. On a pas maison le temps pour aller voir, voilà. Oui. Si vous avez besoin au pire. Le tourisme à Gorma, c'est sportif. Hein. En plus, c'est en côte. Oh. C'est de l'autre côté. Ouais, faut bien respirer. Ouais. Hey. C'est bien, ça vous fait faire un peu d'exercice. Ah oui. Appuyez-vous sur moi, Denis. Non, ça va, faut que je reprenne mon souffle. Ouais, on a déjà un cadre. Comme quoi, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. On va éviter de... Faites attention de ne pas étrangler votre partenaire. Parce que les médecins, faut aller les chercher pour qu'ils viennent ici. Ah oui, d'accord. Ah, bon. Ah, est-ce qu'ils n'ont pas de ticket? Il n'y a pas de médecin à Guarma. Faites attention. Ici dans la propriété du RFSS. Oh! Ah, c'est du. Ok. Très sympa. Ah, c'est drôlement beau. Ça impressionne. Ouais, ouais. Ça rappelle bien Cuba. Vous connaissez Cuba? Vous êtes déjà allé? Ah, oui. Non. Malheureusement. Ah, c'est pas un choix. Font des bons cigares. Faites attention, on descend les font des bons cigares. Sous la corde. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de demander, monsieur. Faites attention en descendant l'échelle ici. Il faut bien que vous soyez devant et que vous. Voilà. Vous... Pardon. Passez un petit pas en avant le temps de bien vous mettre sur l'échelle. Ah, sinon on tombe. Stop, toi, la mine est réservée aussi. Allez-y, j'ai peur. Ça tombe bien. Nous sommes. Mais il faut faire un truc spécial pour l'échelle? Je sais pas, mais moi je pense que je vais tomber si je n'ai pas compris. Ah non, faut juste avancer. Mais doucement. Ah, faut avancer doucement. Allez, vas-y, passez devant. Merci. Oh, au pire, hein. S'il y a du monde en bas, ils vous rattraperont. Vraiment, mettez-vous dessus et avancez un pas. Vous allez voir. Ok.
C'est pas Daphné qui est tombée dans un trou. Ah, ah c'est pas celui-là. Je vais pas te prendre. Allez dans, allez dans la petite pièce là où tu dois aller monter. Bon, ça, hop là. Ça se fait. Ok. Il y a des gens qui vont se montrer des trous là-bas, faites gaffe. Ouais. Fais pas, fais attention, par le cas. Et ça travaille. Hola, hola. Señor Choc, muy bien. Ça va, ça va. Ça va bien faire un peu de souffre. Ah, il faut là, il en manque. Mais si, il va y en avoir 300 dans mon étal là. Ah, bah c'est bien. Moi j'en ai zéro, là je vais en faire. Alors messieurs, dames, je vous préviens, c'est ici qu'on fait le souffle, là où il y a le monsieur qui est en train de piocher. D'accord. Par contre, la pièce d'après, il y a un grand trou de 20 mètres. Il n'y a pas de raison d'y aller là comme ça, n'y allez pas sans torche et sans faire attention, ok? Ah bien. D'accord. Bien sûr. Qui c'est qui a une torche? On n'est pas. Et vous pouvez, voilà, vous y mettre, il n'y a pas de problème. On se trouve un petit trou, hop là. Trouver un petit trou. Dites pas ça trop près de moi, s'il vous plaît. Là j'ai dit petit trou, madame Denise. Vous avez de la chance que j'ai pas de pioche dans les mains. Ah, j'ai la tête dure, vous savez. J'ai plein de choses dures, dont la tête. Bon, par contre, je me débarrasse de certains trucs. Comme là, parfois, le monsieur à côté de moi, il met des coups de pioche dans le dos, ben je sens rien du tout. Ah oui. C'est dur comme le fer. Ah bravo. Ah oui, oui. Vous avez parlé de petits trous, donc c'est bon. Oui, ben vous essayez d'élargir le mien, apparemment. Je crois que c'est clair. C'est beau dire, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fait du souffle. Hein. Eh, ils ont trouvé une méthode, hein. Je vous présenterai des bagages en pantalon blanc, vous allez voir. Ouais, ils continuent de chercher. Eh ben, je regarderai. Hello. Ah bah, quand même. Il y a un petit corps. Par contre, j'ai des trucs trop lourds sur moi, ça me saoule. Et voilà. Atelier souffre. Mais bon, ça va faire des sous. Ça, c'est bien. Par contre, faudra vraiment que j'aie Valentine mettre de la thune. On peut pas voir combien de kilos font chaque truc. Sinon, ouais, je déposerai tous mes appâts. En tout cas une partie, c'est pas bien grave les appâts au pire. Souffre en silence, exactement. J'avais plein d'idées de jeu de mots avec souffre. Je les ai pas dit. J'ai envie de pipi. Alors là on en a pour une petite demi-heure je pense. Quelqu'un sait combien on peut en prendre dans ses poches? C'est aussi 25 ou... On peut en prendre 50. Ah oui. D'accord. Bon, je vais chercher un médecin, j'ai pré-tranglé notre patron et notre... Ah, par contre, la torche, okay. C'est que t'es déjà... Daphné, bah, il tremblait le patron. Ah si, si, bah, le non, feu dans le souffle, c'est très dangereux. Mm-hmm. Elle a été en game check. Non, non, il a pré-tranglé le cimetière, voyons. Ah oui, d'accord. Non, c'est faux, elle l'a étranglé. Ah, mais ça, si c'est entre eux, on peut pas juger, hein. Mais il est allongé, évanoui par terre, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il faut absolument un doc? Bah oui, il faut absolument un doc. Ah oui, s'il est à terre... J'ai pris son pouls, il va bien. Enfin, il va bien, il bat quoi. J'ai mis mon doigt sous son nez, il respire. Bah, fait peur. C'était important de dire sous son nez, c'était ouais. Bien de le préciser. Bah oui, j'ai pas mettre mon doigt dans son cul, bordel. Ah désolé, mais on est beaucoup à y avoir pensé, hein.
Si le doigt est trop gros, on a des pioches. Bah ça peut souffler. Et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il s'inquiète, qu'on allait bien travailler en attendant. Oui, bah il doit être content. Bah je sais pas s'il m'entend. Chercher un doc ou... Ouais, oui, elle est partie chercher. À peine arrivé, hein, vraiment, on est là depuis une minute. C'est... Mais d'habitude, ils gardent ça pour le cercle personnel. Bah quoi. Oui, c'est que bon, on fait pas ça en public. Mais elle a voulu le taquiner. Il a confondu le mot souffre et le mot souffre. Mais non, mais elle a voulu le taquiner et ça a été un petit peu trop taquinage, quoi. Ah oui. Ah, quand elle taquine, Daphné, elle y va pas à moitié, ouais. Elle taquine. Elle taquine avec ses deux bras, quoi, tu sais. Déjà, rien que la ponctuation. Rien que la ponctuation de ses phrases, madame Daphné, moi parfois j'ai mal, hein. Ah bah tout à l'heure, Pearl elle répondait pas, elle s'est pris un pain, hein. Mais oui. Ah ouais, bah c'est ça, oui. Alors que j'étais juste un peu. Ah, et elle. Ouais, c'est ça, c'était un petit moment de pause en attendant. Bah, disons que ça m'a réveillé, quoi. Ah, monsieur Dieu qui a signé pour ça, hein, tant pis. Hein, c'est... Ah oui, bah c'est sa femme. Il sait dans quoi il s'aventure. Il l'a choisi, voilà. Exactement. Vous savez s'il faut faire autre chose après avoir miné ou il y a plusieurs étapes ou pas ici? Allez voir Bernard. Ben oui, sûrement. Quelle idée. Monsieur qui est miné, qui n'est pas avec nous. Madame Denise a des références, il n'y a que moi qui les pige. Bernard? Merci beaucoup. Non mais ça c'est mon âge ça, c'est normal. Oui c'est ça. Moi je vous ai pas écouté, je vous avoue. J'avoue que j'ai pas écouté. Oui. Vous devriez nous chanter une chanson tiens maintenant que vous êtes là. Dommage qu'il n'y a pas Bernard qui mine, c'est Bernard miné. Oui voilà, alors merci, merci hein. Ah oui, les grands esprits se rencontrent. Ouais. Bah disons que si vous m'aviez écouté Ah c'était votre merde. Non c'est bon. Dis plus rien. Il y a un gros chat qui passe. On l'appellerait Gros Minet. Gros Minet, c'est pas mal aussi. Merde, je suis trop nul. Ah là là. Désolée Miss Duval. On voulait mettre un coup de poing. C'est Denise la malice. Je pense qu'on est de mieux en mieux dans les références. Oui, beaucoup. Oui. ça progresse là. Je suis dans une grotte. Le patron est mort. Oh, c'est émouvant ça. Il sait pas la chance qu'il a. Jette un souffle à ton mineur. Y'a pas la suite. Nous sommes en train de miner. Je pense que si vous lui chantez ça vraiment proche des oreilles, y'a moyen qu'il ressuscite. Hein. Ah ouais. Mmh. En tout cas, oui. Ah, ouais. Oh, il se réveillera, il se réveillera. Faites une pièce à ton mineur au Valais de Guarma. On va parler fort pour que Monsieur Duc y profite. Bah là, il est tranquille de l'autre côté. J'ai bien envie d'aller avec lui. Oh oui, Monsieur Duc, si vous nous entendez, faites. Bon, moi ça va, ça m'a coûté un steak frite. Bon, bah moi 10 dollars hein, quand même, donc s'il pouvait revenir à la vie, ce serait sympa. Ouais, mais moi je pense à Monsieur Duke. Tard, mais... Ce que ça lui coûte à Monsieur Duke. Ouais. Bah PH oui. Numéro 1, PH numéro 2, après il doit encore revendre, bah ok. PH numéro 18. C'est ça, il faut donner un steak, il faut donner des pommes. Vous voyez ce que c'est un PH 5 centimes groupe. De tous les minerais. Moi ça me passe l'envie de faire du soufre. Hein. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Est-ce que vous savez s'il faut faire autre chose après?
Non, il faut faire que ça. D'accord. Merci. Merci. Voilà, hey, il a dit que c'était bonasse. Ouais, ouais, bah, une buenas. C'est un homme de goût. Surtout quand je fais ça. Je comprends pas. Ah bah oui, d'accord. Quand j'enlève ma chemise, on me dit ah là là, t'es bonasse. Oui, puisque là, on voit pas, mais elle a enlevé sa chemise et elle a un décolleté de ouf. Corset, hein. Ah, peut-être c'est la marque. Ouais, c'est la marque. Bah moi déjà je sais pas faire mes lacets, bah déjà j'ai pas de chaussures donc ça va. Mais quand je vois tous les nœuds qu'il y a dans votre dos là... Non, l'important sur le corset c'est de savoir les enlever. Ah mais ne vous inquiétez pas, on l'enfile en fait et on resserre après, la ficelle est très très grande derrière. Et on resserre comme ça la ficelle derrière. Quand vous dites on l'enfile, vous parlez toujours du corset, c'est ça? Oui, toujours du corset je parle. Évidemment. Monsieur Durk, ça va? Je crois que j'ai perdu mon tympan gauche cette fois-ci. Il écrit toujours pas, c'est enseigné. On a des beaux sopranos. S'il écrit pas, c'est qu'il y a pas mal. Si on est augmenté de 5 cents, dites rien. Oh. Quelle générosité, monsieur Dieu, c'est plus, vraiment incroyable. Une boîte de tequila. Oh, vous êtes vraiment très gentil. Vous êtes un patron exceptionnel, monsieur Dieu. En même temps, il dort pendant qu'on bosse, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est pour ça que c'est le patron. C'est vrai, ça. Ah, tout mais ce qu'il doit entendre de l'autre côté. C'est dommage pour lui de pas nous entendre. Disons que s'il entend... Je me demande si on nous entend jusqu'à là-bas. Nous, on vous entendait parfois. Quand vous étiez de l'autre côté. Il y a trop de chances qu'on vous entende. Et là, Daphné va revenir, puis péage 1, bonjour, 20$, péage 2. Ah oui, alors, il y aura le médecin à payer en plus. Je croyais qu'il faut faire un péage pour le médecin. Je ne pense pas, non. Faut au moins lui payer le bateau. Autrement, elle va dire, bon bah tant pis, je serai veuve. Bah elle héritera d'une maison. Bah oui, c'est ça. Elle va hériter d'une maison et d'une dette de 10$. Elle va prendre le commerce. Parce que du coup, elle devra me donner 10$. Mais je suis pauvre, moi, tiens, mais 10$! Vous avez la mémoire des chiffres, hein, quand même! Mais vous avez vu? Pourtant, mais les prénoms, pas du tout, mais les chiffres. Mais pas pour les noms, oui. Après, on n'a pas payé les tickets, hein! C'est vrai, aussi. Mais bon, en même temps, on vient bosser, c'est normal, enfin. Ah, ils sont à 5$ quand même! J'ai l'impression qu'on est un peu parti comme en colonie de vacances, mais pas vraiment! Ouais! Vous avez une sale enfance, Madame Pearl, quand même! C'est vrai! Moi, je me souviens quand j'étais petite dans la mine avec mon papa, ok. Non, je travaillais au ranch en plus. Ah, c'est une jolie couleur ça. Oui, ouais, j'aime bien les oranges. Ouais, je préfère c'est le bleu, mais l'orange c'est pas mal. Oh, bordel. Ça va toujours? Ah, il vous répondra toujours pas, je pense. Ah, j'ai entendu, il a dit quelque chose, là je te jure. Il répond pas. Dis-moi au consent. Putain, j'ai pas la rêve, Kézo. Je vois pas Madame Denise taper. Vous tapez, Madame Denise? Non. Ah, ramasse les pour cailloux. Ça, du coup. Je ramasse les petits cailloux. Ah oui, d'accord. Coup, en tant que femme, on n'a pas le droit d'avoir des pioches, nous. Oh, c'est sexiste. C'est comme ça. Elles sont pas roses, alors on peut pas les prendre. Ah oui, bah, c'est ça, ça, on va les repeindre. Moi, je suis pour bon. L'égalité coup, des... Vous n'avez pas répondu, monsieur pays. Duke. Il veut une chanson, je crois. Je suis fragette. Ah, je pense que oui. Qu'est-ce que je peux chanter? Oh, Duke. Oh, Duke. On veut une chanson à la base, hein. Ça, c'est... On était plutôt sur une... Oh, la
Une sorte de cri là. On n'est pas à l'abri d'un éboulement quand même. Je crois que certains chats font ces bruits là avant la mort. Oh, j'ai entendu une bête là-bas. Non, non, c'était la petite. Ah. Il y a quand même des bruits de moufettes. Ouais. Ou de ragondins. Ou de souris. Ça fait comment le cri du ragondin? Il répond jamais. Il shot me down, bang bang. On se remplit les poches. Hit the ground, bang bang. My baby shot me down. Exactement. Ouais, j'aime beaucoup, mais je suis pas. C'est pas du tout mal. Si vous devez ajuster votre hanche, mademoiselle Denise, profitez d'un coup de pioche. Hein. Si vous voulez, je peux crier devant. Oh, peut-être ça va l'ajuster direct. Hein. Ça va aller, ça va aller. Mon doigt a assez souffert là. Ah. Faut après, nous ça va avec Miss Duval. On ramasse juste les petits cailloux. C'est comme le métal. Voilà, on frotte un peu la paroi là avec nos voilà, petites griffes. Et hop. Cop, cop, cop. On cratouille avec nos ongles comme ça. Nous, on mine avec les ongles. Oui. Ouais. À défaut d'autre chose. Pas le choix. Vous vouliez gratter avec quoi, Miss Duval? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Bah on a pas de pioche, alors on fait on fait des petites mains. C'est qui me dit que je vais me faire déglinguer. Ouais, pareil. Donc je vais faire un petit tour sur moi-même. On va descendre les bras, deux secondes. C'est ça. Hop là. C'est quoi? J'ai pas compris. Ah oui, et si vous arrivez les petits? On se détend les bras. Ah. Oui. On est qu'on est encore là. Hop. C'est le gouvernement qui nous suspecte de rien branler, je pense. Ah oui, d'accord. C'était un donjon SM ici ou quoi? Il y a des prisons, il y a des trucs. Et arrêtez de dire. On ne sait pas ce que ça veut dire SM, monsieur. Ça veut dire salon de massage. Ça veut dire super marrant. Oui. Mais vous m'avez pas dit ça tout à l'heure. Oh, mais parce que ça veut dire plein de choses selon le contexte. Mais c'est vraiment. Oui, super marrant. Ça veut dire salto museau. Monsieur Dieu, écoutez la voix des anges comme la mienne. Suivez ma voix, moi. Attention, hein! N'allez pas plus loin! Monsieur Duke, restez avec nous! Si vous voyez une lumière au bout du couloir, c'est sûrement nous. Putain, je t'en ai. Si vous me donnez un dollar chacun, ça peut le faire. Mais elle arrête de mendier, celle-ci! Mais je suis pauvre! Non! Je te garantis, ma grande, que t'es moins pauvre que moi, hein! Je te garantis que je suis pauvre quand même! T'as combien? J'ai pas les moyens d'acheter un nouveau cheval, moi, par exemple. D'accord. Ouais, mais tu t'en es acheté un d'origine. Ah bah oui, le moins cher. Bah oui, mais moi aussi, je m'en suis acheté. Moi, on me l'a donné, celui d'origine. Bah oui, voilà, hein. Donc bon, on arrête de réclamer, c'est bon. Comme si je m'étais acheté mon premier cheval. Oui, vu que le premier, vous l'avez eu cadeau. Rien que votre budget tequila, Madame Pearl. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Ça fait le PIB de... J'étais dans la forêt en train de chasser. Le PIB d'une Denise. Ben oui. Dans la forêt. Ah, ça devait bien marcher. Et il y a des apaches, des ponies, des natifs qui sont passés. Et en fait, ils m'ont entendu appeler le corbeau en rut. Et, du coup, ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites? J'ai dit je chasse, tout ça. Ils m'ont dit mais il est où votre cheval? J'ai fait bah j'en ai pas. Et ils m'ont dit tenez. Bah moi j'ai croisé un indien. Et il l'a étranglé à mort. J'ai voulu savoir si c'était une abeille ou pas, et il m'a étranglé. Chacun son contact, hein. Oui, mais vous avez rencontré les apaches, vous avez rencontré les ponies. Lumière. Monsieur Duke, si vous voyez pas de lumière, c'est normal. Y'a plus rien qui va dans cette mine. Les ponies, ils sont gentils. On fait un travail au noir, là. C'est ça, le travail au noir, je pense, oui, c'est vrai. Oh, c'est la mannequin, là. Oui, c'est un peu dangereux du coup. Ben oui. J'ai peur dans le noir. Miné dans le noir, c'est pas. Moi, ça va, le reflet de la lumière sur votre poitrine, ça m'éclaire. Ah, attendez, je vais tous vous illuminer. Illumine. Illumine nous de tes jumeaux. Est-ce que ce serait pas Bère Noir, Miné? Ça, c'est pour vous, Madame Denise. Merci. Ah, rien, c'est gratuit. Je pense que je vais finir par faire payer mes jeux de mots. Ah, tout va devenir payant.
C'est vrai. On peut plus rien dire à Madame Denise. Je pense que Madame Daphné est partie chercher un médecin à Armadillo. Ouais, et puis s'il n'y a plus de bateau, elle a dû aller à la nage, ça va être un peu long. Oui. Ou à la barque. À la wagbarque. Lumière divine. Lumière sang, c'est ça. Ce sont les sangs. Ou alors elle a tapé un natif. Elle va pas rentrer. Ah oui, ça, ce sera embêtant. Ah oui, si elle fait les mêmes jeux qu'avec avec Monsieur Duke, ça va être compliqué. Ça va pas plaire. Et imaginez, là, qui retractait un natif, là. Bon, après, s'il l'a voulu. De quoi ? Ouais. Elle est très forte pour redresser le dos à coup de poing. Ah oui, c'est vrai. La technique de chiropractotorie. Elle redresse. Stabilise même. Dieu, Dieu ! Il est mort. Je vais aller vérifier s'il respire encore. Vous savez qu'en revenant, j'ai failli tomber dans le trou. Bah, c'est pour ça que c'est peut-être pas prudent d'y retourner. Mais quand même, parce que là, il n'y a même plus une seule torche en fait. Peut-être y aller. Vous entendez les rats ? Parlez pas de revenant avec Monsieur Duke à côté. Peut-être le rat, il est en train de le manger, on ne sait pas. Peut-être qu'il lui mange le doigt de pied. Oui, non, mais enfin, si vous tombez dans le trou, ce sera un peu compliqué d'aller vous chercher. J'ai même plus des allumettes. Je fais attention. On l'entend fort même à travers 12 tonnes de pierre quand même. Oui. Ouais, c'est fou. Bah je pense que les apaches de tout à l'heure là ils l'entendent. Ah ouais, moi je pense que... Oh mais c'est dingue. Je pense qu'elle est retournée à Saint-Denis, je l'entends encore. Ah, bah ça y est, on entend plus. Hein. Juste avant qu'elle dise, il a disparu. C'est ça que... Pas bon signe, ça. C'est pas mal. Faut penser que c'est ici qu'il y a un trou. Ouais, bah ça y est, ça revient. Moi, je pense qu'en criant bien en direction du souffle, il y a moyen de fragmenter la pierre, quoi. On peut éviter les étincelles. Ben oui. Messieurs, dames ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a disparu. On a cru comprendre. Ah. Il s'est peut-être dandiné jusque dans le trou. Ou un médecin très très rapide. Et pas, c'est pas. Très discret. En même temps, bon, il fait nuit. Ah, c'est peut-être ça. Il a éteint la lumière, il est passé, il l'a pris. Hop, il est parti. Médecin ninja. Trop fort. Trop fort ces médecins. Ah, monsieur Duke ? Il est non, mort. Ouais, là. On l'a perdu. Ouais, les rats l'ont mangé. Je pense que c'est foutu, les rats l'ont mangé. Bon, bah, ils ont été rapides, hein, parce que quand même, il y a de quoi faire. $10 avec. Ce qui va être drôle, c'est quand Madame Daphné va revenir avec un médecin. Oui, ça va être un peu plus embêtant. Bah, peut-être qu'elle va être prévenue. Il va peut-être, le médecin il va peut-être passer la voir en disant c'est bon. J'ai pris votre pari. Mon Dieu, mais comment on va faire sans Monsieur Duke ? Bah, il a payé le droit de passage pour nous, hein. Après, c'est le seul qui avait une torche. Ah, bah, c'est juste à gauche, hein, on s'est pas se tromper, je pense. Oui, c'est vrai. Ah, je suis bientôt au bout, moi. Bon, j'arrive au bout bientôt. Ouais, pareil. Vous arrivez sur le bout, Miss Duval. Ouais, ouais. 45ème. Comment on va faire pour ressortir ? Imagine, on a re une taxe. Bah, on vous laisse en tribu, Madame Pearl. Oui. Avec une petite chanson, je pense qu'on devrait faire l'affaire. Oui, non, mais moi, j'ai des arguments un petit peu moins convaincants, quoi. Bah, voilà. On sait pas, vous avez un chemisier, c'est pour ça, on voit pas.
Peut-être vous pouvez lui dire que vous avez plus. Moi, je vais lui dire que vous avez plus d'expérience. Eh, ça, c'est ce qu'on me dit souvent, ouais. Ah bah. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, papa. Exactement. On fait le meilleur grumeau. Mais pourquoi j'ai toujours mes 10 dollars sur moi? Alors, ça veut dire que vous couinez depuis tout à l'heure pour des dollars que vous avez sur vous? Apparemment. Peut-être que c'est vous qui est passé d'entre les morts. Mais pourtant, je lui avais donné! Elle les a montrés à la pêche, elle les a remis dans sa poche. Un petit tour de magie. Elle a enlevé son chemisier, paf! Mais comment j'ai arnaqué là? Merde! J'ai déjà vu des magiciens faire ça. À Saint-Denis. Des manigouilleurs. Des manigouilleurs? Oui. J'espère qu'ils vont pas voir parce que les apaches ils aiment pas trop qu'on se moque d'eux, alors peut-être ils vont m'étrangler. Maintenant je suis amie avec eux, ils m'aiment bien. Des fois, peut-être. Ceux que je connais. Moi je vis à Armadillo quand même. C'est bien trop dangereux. Armadillo, franchement, c'est la meilleure ville de tout l'État. C'est juste que vous avez fait la mauvaise blague à la mauvaise personne, mais sinon, en vrai, il y a zéro problème là-bas. J'ai fait une blague à des amis, et... Non, vous avez pas fait une blague à des amis, vous avez fait une blague à un apache. Alors non, c'est lui qui a fait la blague. Hein. Mais oui, c'est lui. Eh ben oui. Il y avait l'apache, quoi. Mais oui, mais non. C'est lui qui parle de Jujaya, hein. Nous, on a rien dit, hein. Oui, c'était dégueulasse, d'ailleurs. C'était obscène, j'ai été choqué. Ah, quand vous avez compris c'était quoi le Jaya, vous avez été choqué, ouais. Mais non, j'ai pas. Mais c'est qu'on a compris que c'était pas un animal du coup. Je l'ai compris 4 jours après avoir été étranglé, quoi, donc. Hop là. Ok, c'est le dernier. Et c'est bon pour moi. Je pense qu'il y a un moment, monsieur Prosper, il faut tourner la. Salut Laura! Ah bah oui, sur une broche, avec un petit feu. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ici ou on se met à rentrer de la mine? Moi je pense qu'il faut... Vous attendez avec nous? On n'a pas fini? Vous en êtes où? Moi j'ai pas fini parce que j'étais en train d'essayer de sauver votre patron. Il me reste 3. C'est le tien aussi. Hein. C'est pas faux. Et là, peut-être qu'il est mangé par les rats, il a disparu, alors... Peut-être qu'il est mort. Personne n'a une petite chance. Vous entendez? J'ai bien un feu de camp, mais... Ah oui, je vois le trou, là. Oui, faites attention, ouais. Oui, il faut serrer à gauche. Mais oui, il est tout... Bon, faut pas acheter vos appâts. Mais parce que, après un mal de tête, je les avais déposés, mais ils sont revenus dans mes poches. Ils sont revenus. Donc bon, ça m'arrange pas du tout. Il manque un tout petit peu de place. Ah, pour le poids. Ouais, du coup, j'avais un petit kilo en trop. Oh non, vous êtes très bien comme ça. Oh, merci, ma petite, merci. Kilo en trop, n'importe quoi, regardez-moi ça, vous êtes parfaite. T'es gentil. Vous croyez qu'on va le retrouver où, le patron, du coup? Je jure qu'il sera avec les médecins et Daphné. Et que c'est pour ça que Daphné n'est pas revenue. Ah, peut-être ils sont venus le chercher en montgolfière par le trou d'en haut. J'aime bien cette phrase. Elle est lunaire, oui, cette phrase j'ai bien aimé. C'est... Ah, peut-être, vous voyez. Quelqu'un connaît la route pour retourner jusqu'au bateau. Ah, j'imagine, on va voir sur la carte, ouais, mais. Je ne sais pas du tout. Moi j'irai bien dehors dès que vous avez fini, histoire de voir un peu l'air, quoi. Sinon, il me reste juste un. Quelqu'un me donne 5 minerais et puis comme ça ira plus vite. Ah, on doit déjà vous donner 10 dollars. Moi je dis ça, c'est pour qu'on parte plus vite. Hein. Il est quelle heure? Non, ça va ramasser à votre aise, on a le temps. Faut partir avant quelle heure? Minuit ou 1h? Avant 1h. Okay. Sinon, on sera un petit peu en retard. Bon, on est tranquille là. Bon, ça va. Bon, on sait pas trop qui marche à côté de nous, qui nous tripote en passant. Mais... Ok, 47. Si c'est moi, je m'excuse. Merci, monsieur, oui. Vous êtes gentil, vous. Je vous en prie. Les autres, ils sont vraiment pas sympas. Hein. Moi, je retravaillerai plus avec vous. Hein. Mauvaise ambiance, hein. Je rigole, hein. Voilà.
aimait pas que je chante. Là. On n'a pas dit qu'on aimait pas, on a dit que c'était dangereux. Est-ce que vous croyez qu'il y a des groupes illégaux qui peuvent m'engager pour que je fasse souffrir des gens? Oui, pas probablement. Ah là, il y a des chances. Hein. Je vais aller parler aux Apaches. Parlez-en au gouvernement, hein, même pour faire retourner dans le droit chemin des illégaux. Hein. Je crois que je vais aller voir les... Comment ils s'appelaient les... La fraternité, je vais leur demander. Sinon, il faut trouver un job en prison. Ça peut le faire aussi, pour rédemption. Après, ça peut faire un divertissement un peu bizarre si vous avez le chemisier, quoi. Il y a la chanson, mais il y a le chemisier en moins. Oui. Ah, ça peut faire double utilité, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ah, un côté aigre-doux, vous voyez. Oui, c'est ça. Petit divertissement aigre-doux. Vous devenez gardienne à Sissika, puis comme ça, ceux qui sont condamnés, bah, vous leur chantez des chansons pendant toute leur peine, bah, ils n'ont plus envie d'y retourner. C'est vrai, ça. Ouais, je pense que ça pourrait être parce qu'ils ont vu la beauté, oui. le cristallin de ma voix, et du coup, ils ont entendu la voix des anges. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. Ils ont entendu la voix des anges, et du coup, ils n'ont plus envie de retourner en prison. Ah, une révélation. Ah ouais, je pense que c'est ça, une révélation. Les armes sur le droit chemin. Ouais, ils suivent la lumière. On est bon, là, ou quoi? Plus qu'un pour moi, pas sûr. Oui, bah, il a donné... Il m'a donné, comme ça a été plus vite qu'il en a plus qu'un. Ouais, il est vraiment trop gentil, ce monsieur. Comment ouais, c'est joli. Ridley Donovan, vous pouvez m'appeler Hardy. Hardy? Hardy, les initiales. Il m'a dit de dire Hardy aussi. Il m'a dit de dire Hardy, hein. Vous nous avez dit de dire Hardy? Exact. Il nous a dit de dire Hardy. C'est facile pour pas se tromper, ça. Vous voulez que je ramasse vos appâts, mais... Non, ça va aller. Vous voulez que je ramasse vos appâts, Stival? Vous avez des bons réflexes, encore. Ah, c'est... Oui, il a fallu. Ah oui. Si vous avez de la place. Oui. C'est gentil. Oui. C'est pas un petit peu, on sait jamais. Allez par là. Voilà. Ramasse vos appâts. Bon bah c'est bon. On va essayer de retrouver. Ça va. Moi je résiste mieux que Monsieur Duke en tout cas. Il reste un chapeau par terre. Oui oui. Cette silhouette de joli petit cul, j'aime bien. C'est quoi? Je ne sais pas, mais parler de petit cul. J'ai entendu petit cul à la fin. Ouais. C'est qui le petit cul? Le chapeau. Qui, ouais. Moi je veux mon chapeau. Non, le monsieur devant, il a parlé de petit cul. Ah, vous voulez pas qu'on regarde votre petit cul? Et voilà, c'est bien. Et voilà. Oh, ah, pas vu. Et pourquoi elle crie? Merci. Je sens du chaud. Oups. Ah, c'est bizarre. Ah. On regarderait pas si on a reçu un télégramme tout à l'heure. Ah oui, c'est pas idiot, oui. Ah, peut-être, ouais. On peut faire ça. Bon, ils font un petit peu de travaux de toiture en fait là, mais autrement c'est joli. Ouais, ils ont des jolies chambres d'amis aussi. Ils ont des jolies cages aussi, des cages d'amis. Attendez, stop, arrêtez tout, il y a un sanglier sur le plafond. Sur le... Ah oui, oh bah il y a des chèvres et des biches, oui, parfois. Mais ça fait ça en ce moment, c'est comme le divin qui mettrait des animaux pour nous prévenir. Ah, ça nique un peu les yeux, ouais. Je vous assure, j'ai vu ça un jour, mais... Par contre, il a pas l'air content, hein. Non, il sait même pas comment il s'est retrouvé là. Donc c'est pas une vache. C'était spécial. Bah là, il y aurait plus que des problèmes de toiture si c'était une vache, je pense. C'est peut-être lui l'animal légendaire, le sanglier qui bah, sur toi, c'est biblique. Après, c'est peut-être pour ça que les toits sont aussi abîmés. Hein. S'il y a des cochons qui arrivent dessus. Oh, il y a quelqu'un là, dis donc. Ouais, faites pas. Faites pas. Bah, faites-le pas. On fait pas. Moi, je fais pas. On fait pas. On dit rien. On n'est pas là. Faites comme si on n'était pas là. Bah, on n'est pas là. Regardez, on s'arrête et on est un maïs. Vachement bien de maïs. Elle a des très bons conseils, la petite. C'est vrai. Ah là là, monsieur Forêt aussi, vous faites bien de maïs. Ah oui. Non, monsieur. Bonjour, monsieur, on est des maïs. Oh là. On est du maïs, monsieur, vous inquiétez pas. Oui, le maïs, ça marche et ça parle. Non, mais il va penser qu'elle est bourrée, ça va être compliqué. Le plan a fonctionné. Oui, le plan a fonctionné. Exactement, c'est vrai. On est incognito. Ça, on aurait dû faire ça à l'arrivée, on n'aurait pas eu à payer la prime. Oui, il fallait faire le maïs. On était même oui cognito, mais il y en a un qui est mort et l'autre qui est parti chercher. Il est peut-être et qui est jamais revenu. Cognito. Ah, c'est dangereux d'aller miner, hein. Ah,
Ah, c'est là-bas. Le télégramme ? Ah, ah oui, d'accord. Ouais, c'est sympa, Gorma, c'est vraiment cool. Dommage que ce soit autant taxé de traiter à Gorma, mais sinon c'est cool. Bonjour monsieur le télégramme, c'est vous ? Je suis pas sûr qu'il s'appelle monsieur le télégramme. Hein. C'est un télégramme à l'ancienne, dis donc. Ah oui. Rien du tout pour moi. Ah bah j'ai un télégramme de Miss Duval. Oui, c'est pour vous proposer d'aller à Gorma, vous êtes d'accord ? Ah oui. Je vous dirais d'aller à Gorma. Faudra que je réponds à monsieur Dent quand j'arrive. Harvey Dent. Bah, on n'a pas de télégramme du patron. Hein. Ah. Et voilà, c'est bon. Je pense qu'il faut retourner sur Saint-Denis, non ? Ouais, on va rentrer. Hein. Bah, c'est vrai que par contre, on n'a pas de nouvelles d'eux. Vous croyez j'ai le droit de tuer le cochon ? Non. On sait pas, du coup, dans le doute, faut dire non. Et puis en plus, on est dans un village. En plus, on tue pas les cochons d'un village. Ils appartiennent peut-être à quelqu'un. Regardez, ils se baladent. Oui, mais ils appartiennent peut-être à quelqu'un, c'est peut-être comme ça qu'ils font ici. Oui. Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, comme les poules d'ailleurs. Donc non, on tue pas. On tue pas le bétail. Bah, le bétail, c'est à quelqu'un, et on tue pas le bétail. Bah, on est dans un village, donc on le fait pas, c'est normal. Dans le doute, pas touche. Le consentement du cochon. Je trouve qu'il faudrait le engraisser un peu. Balance ton cochon. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis là, j'ai pas déjà chassé aujourd'hui, ça me manque là. Jambon. T'as pas chassé ? Comme pendant. Oui, comme j'ai pas fait de pas chasser aujourd'hui. Ouais, froide quoi, froide. Pas dans le bétail par ici. Non, mais c'est une façon de dire que. En fait, quand on est dans un village, faut faire la règle du masserpé. Et partir du principe qu'il y a des gens autour, même si on les voit pas. Donc par conséquent, tu tues pas un cochon dans un village quoi. Et en plus, y a un quai là-bas. Ils ont aussi dit le bétail. Et ben voilà, le but c'est pas de le buter quoi. Et si tu le fais, ça peut être illégal. Et surtout quand t'es dans une ville, sur une île, contrôlée par des gangs. Bon, voilà, tu fais pas le con quoi. Y a plus personne, on dirait. Ouais, j'en ai bien l'impression, heureusement. On s'en fera moins de taxes. Autrement, laissez-moi négocier. Monsieur, vous allez tout seul par là-bas ? On peut passer par où ? Ah, par là. Je l'avais pas vu. Là-bas, il y a un quai, je crois. J'ai fait un petit trou sur ma carte pour le trouver. Et vous faites des petits trous partout, c'est une d'habitude. Hein. Ah ouais ? Oh l'eau, elle donne trop envie l'eau. Trop envie de te baigner. C'est quand même bien joli ici. Ah oui. C'est vrai que c'est en vrai pour de vrai, de la réalité vraie, c'est beau. En vrai, de vrai, de vrai. De vrai, de la réalité vraie. Ça donne envie de devenir pirate. C'est ici le monsieur ? Mais je sais pas. Je sais pas, mais je vais juste voir l'eau moi. Oui. Bon, je crois qu'il faut aller en bout de pied. Ah, c'est ici. Ah. Ah oui. Bon bah on y retourne ou pas ? Saint-Denis. Bah oui. Oui, ah oui, hein. On va devoir dire. Ah, je vais encore vomir tout partout dans le bateau. Oui, bon, on sera deux. Oh, bah, à côté du bateau, dans l'eau, du coup. Miss Duval, donnez-moi votre chapeau. Arrêtez avec mon chapeau. Parce que je suis pas trop bien, alors. Vomissez dans votre corsage. Voilà, il y a plus de place que dans mon chapeau. Oh, bah, là, dans mon corsage, il y a plus de place. Il est trop plein. Yoxley. Oh. Ah, vous avez dit de pas forcer sur la tequila, Bruto. Ah, ça, je pourrais pas vous le dire, mais. Gens, bah, j'entends la voix de Monsieur Pacifique, qu'est-ce qui se passe ? Ah, Monsieur Pacifique ! On est arrivé ! Ah, bah, là. Ah, allez, voilà ! Mais qu'est-ce que c'est que cette arrivée, là, dis donc ? Mais vous faisiez un voyage touristique ? C'est ça. Exactement ! Oui. Une excursion. Un voyage souffristique. Oui. Il s'est évanoui. Oui, bah, ma femme m'a étranglé dans les grottes, quoi. Bah oui, bon, c'était pas le moment pour faire vos jeux. Bah c'est un dimanche. Et bah il faisait noir, on était tranquillou avec... Bon, il y avait... Eh oui, bah oui. Regardez, ça nous a un petit peu... Voilà.
La merderie, quand ça même. Les a échauffés. Bah oui, ça les a échauffés. Le jeu était trop loin. Et j'ai perdu un arc, c'était bien. Mais ils sont venus vous chercher un montgolfière par le trou qui était en haut. Non mais. C'est ça, ils ont rentré la grosse montgolfière dedans. Oui, ils sont déjà tiré les cordes et tout, en rappel et tout. Ouais. Parce que moi je suis là, vous étiez plus là. Allez, vous avez loupé des super chansons. Bah oui, je sais. Oui, vous a chancé plein de chansons pour que vous alliez mieux. Je pense que dans mon coma, je vais avoir entendu pas mal de choses déjà. Vous nous entendez. Au loin. Quand vous imitiez les cris d'animaux, quand vous chantiez, tout ça, je pense que je les ai entendus. Ça me dit quelque chose. Ah bah ça vous a bien entendu, je pense. Vous avez fait votre souffle. Bah oui. Oui. D'accord. On a tout. On va aller sur le. Est-ce que je vais faire est-ce qu'on fait ça sur le quai? Oh, vous nous dites. Non, on fait ça où vous voulez, monsieur Duquin. Mais c'est dégueulasse. Elle est où la Miss Nafté d'ailleurs? Elle a mal à la tête, elle arrive. Ah, d'accord, bon, ça va. Tous ces gens sur l'île du diable. Et on va aller d'ailleurs, quand j'y pense, on va aller. Ouais, tu fais quoi à la merveille? Bah là, je sais pas. Balader. On va aller là où il y a mon argent. Ah, je veux bien faire votre portefeuille, oui. 500, 600 dollars. Oh, vous savez que vous êtes de plus en plus beau, monsieur Pacifique. 600 dollars juste dans les poches, alors imaginez le portefeuille, le compte en banque. Oups, pardon. Pas de souci. Monsieur Pacifique, ça y est. Eh non, je suis pas juge. Ah mince, vous avez pas eu le droit ou. Non, j'ai été recalé, ils ont pris un ancien shérif, comme d'habitude. Ce gouvernement corrompu, oui, tout à fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont préféré, comme à l'accoutumée, prendre un ancien shérif. En vrai, je vous taquine et tout, mais enfin, je suis vraiment déçu pour vous. Non, mais moi, je peux vous le dire, hier, j'étais vraiment chafouin et très dégoûté. Hein, si j'avais eu un type du gouvernement devant moi, je peux vous le dire. Mais en plus, vous deviez passer votre cabinet à des gens, non? Oui, tout à fait, mais au final, on va travailler avec eux, hein. D'accord. Voilà, je suis vraiment... Est-ce que vous rentrez tous sur West Elizabeth? Et New Austin. Un petit câlin, mais vraiment. Non, ça c'est bien gentil. Moi je peux vous inquiétez pas, madame Herberry, on va les faire payer. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Ok, ok. Moi j'aime pas trop le gouvernement. Ah, il y a votre dame qui arrive derrière, monsieur du. Est-ce que tout le monde rentre au moins jusqu'à Blackwater? Oui. Ouais. Moi oui. Je connaîtrais de partout. Ok, comme ça je vous paye là-bas. On fait le transfert là-bas, je vous paye là-bas. Ok, c'est parti. Monsieur Malone. Oui. C'est pas grave. Monsieur dame, je vous souhaite la bonne soirée. Au revoir, monsieur Pacifique. À la prochaine. Au revoir, monsieur Pacifique, et bon courage à vous, du coup. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut maintenant. Allez. Elle est déçue pour vous, vous soyez pas juge, parce que vous aimez bien. J'ai pas besoin qu'on me plaigne, je vais juste filmer tout ça. Sur la gorge et tout. Eh bien, merci, madame Herberry. Bonne nuit, monsieur Pacifique. Oui, c'est vrai. Vous voulez qu'un jour on fasse les pétasses en Saint-Denis, vous nous dites? Ça remonte le moral, hein. Y a pas à dire, hein. C'est toujours quelque chose qui. Oui. On se sent mieux quand on fait les pétasses. Oui, et puis ici, c'est la ville parfaite. Ah ben, les bourgeoises ou les pétasses. Finalement, quelle est la différence? C'est pas une. Quelle voiture là? Attends. Ouais. Ah si, c'est le vôtre. Mais il a pas de sel? Oui, mais ça arrive parfois, ils se font piquer leur sel. Mais ma sel? Ah non, déjà le palefrenier, il m'a piqué mes sacoches. Ah bah là, elles sont là. Bah je les sens. Mais oui, vous avez pas de sel, effectivement. Des sacoches. Bon, ça va, vous êtes pas. Vous êtes une femme, alors ça va mieux si vous étiez un mec, bon, c'est sympa. Enfin, ça fait mal à la mais à ça... la chatoune. Ça fait mal à la minette un peu. Ça fait un petit peu mal à... Oh, l'animal, il a mal quand même, hein. On va pas se mentir. Oui, ils sont partis déjà. Enfin, il y a le patron. Sauf le patron. Il discute avec monsieur Malone. Il est gentil, monsieur Malone. Mais je le connais pas, on a parlé en bien. Bah, j'ai passé une soirée, on était un groupe. Et avec Daphné et lui, on était à. C'est où la ville où il y a plein de boue? Valentine, je pense. Oui, parce qu'il y a salon, restaurant. On s'est tous les trois, on a fait un jeu, celui qui arrivait à avoir le plus de boue sur lui. Ah, d'accord. Bah,
On s'est tous roulés dans la boue. Oui, oui, Valentine, c'est pas... Ou alors c'était Strawberry, peut-être. Le Strawberry a beaucoup de boue aussi. Ouais, enfin, la ville avec de la boue, quoi. Ouais, ouais, bon, ce vide-là, c'est les villes où, de toute façon, si on a un cheval blanc, il vient noir. C'est ça. Bon, ça vous avez bien fait d'en prendre un foncé, surtout tout avec, avec les brosses payantes. C'est pour ça que j'en ai pris un foncé. Hein. J'en ai pris foncé juste parce que j'en avais marre et que les brosses... Bah, les brosses sont jetables. Bah, maintenant, une fois qu'on brosse, toutes les poils, elles s'enlèvent. Enfin, pas du tout. Je l'ai même parfait depuis, depuis que... Que les brosses ont changé. Surtout que la brosse que j'ai sur moi, elle m'a coûté le prix fort, quoi. Oui, c'est ça, bah oui, moi aussi. On n'a pas été remboursé de ça, et du coup, bah maintenant on les utilise, bah elles se désagrègent. Comme disait un de mes amis, c'est le lobby de la brosse à cheveux. Tout à fait. Ils font ça pour qu'on paye, qu'on paye. Hmm. C'est une arnaque. Ah bon. Ça devient ridicule. Autant aller se baigner. Mais d'accord. Si c'était comme ça pour nos cheveux à nous, ce serait un peu compliqué. Imaginez, madame. À chaque coup de brosse. Bon. Comme ça, mais... Ah, c'est attaché. C'est ça, et puis tout le monde sait que les cheveux bouclés, faut pas les coiffer avec une brosse. Mmh. Alors, moi, je suis ma carte. Hein. Elle me dit. Bon, pas de soucis, pas de soucis. Et maintenant, on est. Je pense que de toute façon on est un peu moins pressé, c'était surtout pouvoir repartir de Guarma avant, avant 1h du matin. Pépette. Elle est énervée. Vous avez vu, elle a fait un petit... Oui, non, on n'est pas pressé, c'est vrai. On n'est pas encore parti de patron. Oui, voilà, donc bon. Comme toi en visite. En plus, c'est joli la nuit. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup le bruit des sabots? Oui, mais j'adore. Là où j'aime beaucoup, c'est encore plus sur le... Sur... Les cailloux, oui, c'est ça, sur, comment on pourrait dire, le sol, oui, le sol, les graviers, enfin, voilà, sur la roche. C'est là où je préfère, vraiment. J'aime beaucoup, je trouve ça très apaisant. Oui. Ah, si on pouvait, vous savez, avoir une machine qui enregistre les sons. Enfin, il y a déjà maintenant des machines qui enregistrent des images, alors c'est bientôt, hein. C'est vrai, ouais, puis il y a les... Hein, les espèces de grosses machines où il faut tourner quelque chose là et ça fait de la musique. Ah oui, les petits, bah les boîtes à musique. Ouais. Ah, sur les pavés, voilà. Technique, mais... Ah, les pavés. Boîte à musique, c'est bien. Moi j'ai une boîte à images, mais j'arrive pas à m'en servir. Ah bon? Ouais. Et ça permet de. Faire d'entendre un crocodile. Ah oui, oui, oui. Ah bah je le vois. Il est pas très gros, mais. Ouais, il était en dessous ça du pont. Et alors, vous avez pas réussi? Non. Mais moi aussi, j'ai des petits soucis avec certaines choses que j'ai achetées. Ma nouvelle canne à pêche, par exemple, faut que je réessaye parce que la dernière fois, le moulinet, il voulait pas mouliner. Ah, elle est peut-être défectueuse. Oui, peut-être. Mais bon, elle était toute neuve, alors je me dis, il y a peut-être un... Si vous voulez, mardi, j'ai vu une affiche. Alors, c'est à Rhodes, je crois. Enfin, regardez sur le tableau des affiches. Ah oui, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention aux nouveaux événements. Un cours de pêche. Oh, c'est une idée, ça. Un cours de pêche. Ah, j'espère que c'est en soirée, par contre. Hein? J'espère que c'est en soirée. Attendez, je vais parler plus fort. Oui. Oui, c'est vrai que là, avec la pluie, on n'entend rien du tout. Soirée, c'est vers 21h, je crois. Et il y aura aussi une petite charrette avec de la nourriture, des appâts et tout pour vous sustenter. Ah, ça pourrait être sympathique. Ouais. Et comment ça s'appelle? Il fait aussi un petit concours. Oh! Genre l'élève qui rapporte le plus de poissons ou un truc comme ça. Ah, ça peut être chouette! Et toi même qui vous rachète vos poissons. Ah oui, tout ça! Ouais! Ah d'accord, bah je vais m'enseigner alors. Donc, ça pourrait être chouette! Il fallait que je vous en parle. Ah tout à fait! Vous voyez. Vous verrez. Enfin bref, vous avez compris. Oui! J'ai compris. Par contre, c'est en. Bah. Je pense que moi j'irai à l'enterrement de Pépito et c'est en même temps, mais. Ah bah oui! Je savais pas. Les petits bébitos. Ouais, c'est mardi, internement. Et ça va mieux la petite Rose? Ça s'en met? Je l'ai revu deux fois, je crois. Ça ouais. D'accord, bon tant mieux. Elle a chanté et tout, donc. Bah, elle est triste, mais. Oui, oui, mais faut que. Enfin voilà, déjà que c'est pas facile pour elle, mais en plus, il y avait des shérifs qui l'avaient menacée, alors ça faisait double peine. Ça s'est calmé un peu cette histoire de shérif qui menace des enfants ou pas? Non, je pense pas. Ah bon? Non.
D'accord. Quoi ? Je crois pas que je le connais. Bah moi non plus, mais bon, c'est encore un enfant quoi. Bah dis donc, c'est bien la première fois que j'entends ça. Non, pas cela, c'est des connards. J'ai rencontré un des enfants, c'était son ami. Salut Urka, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Et pour le follow, pour le raid, excuse-moi. Tu as un RP alors je vois pas trop les alertes. Merde, elles sont mute. Bah du coup, quand j'ai rencontré le gamin, j'en avais parlé à Chukuki. Je vais les mute. Assis à Monsieur Dubois. Oh là là. Monsieur Dubois m'a dit qu'un des enfants avait été... D'accord. Exécuté. Bon après... C'est pas parti. Après, il y en a certains qui sont récupérables et qui sont vraiment des très nocifs, mais bon. Ouais, je les connais pas, alors je vais pas juger. Il y a le son, bah oui, je l'ai pas enlevé. Surtout qu'il y a des écoles maintenant. Il y a du RP aussi sur GTA. Ah d'accord. À aller à l'école. Ah oui, mais il y en a qu'une. Oui, à Armadillo d'ailleurs. Ah, ce serait bien qu'il y en ait une deuxième. Ouais. À l'opposé, histoire que bon, les gamins oui, soient pas obligés de traverser toute la région pour pouvoir aller à l'école. Oula, ça fait un peu peur l'orage, hein. Ah oui, au loin, là, vous avez vu? On ne s'entend plus. On s'entend plus, et puis au loin, on a vu l'éclair, on l'a bien vu. J'aimerais pas trop rester sous les arbres. Je vais essayer de rester là où c'est découvert, mais bon. Ah bah je crois qu'en plus, l'éclair, il a frappé à Blackwater. Merci beaucoup, Urka. Attends, je vais follow, comme c'est ça au moins. Désolé, hein, c'est... Bon, bah tu connais. Connu, oh, mais ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Bah, on sait pas, hein. Oui, c'est vrai. Peut-être je peux chanter une chanson pour nos au revoir. Non, c'est bon, ça va aller, on hein. Va on aura... Avec Denise Duval. On va mourir. Sur Titine pendant tout un trajet. Salut les raiders, merci beaucoup. Hein. Bon alors j'ai encore les alertes par contre et ça c'est pas normal. On donc est pas mort en fait, ça va. Ça va Denise, pourquoi vous paniquez Denise, on n'est pas mort. Ah oui, ça c'est mon côté anxieux ça, j'étais très très paniqué. Pas paniquer comme ça. En deux mots. Vous m'avez fait peur un petit peu. Attendez, j'ai coupé les annonces. Voyons, madame Duval. Voilà, normalement là c'est bon, c'est un coup. Ah là là. Je sais même pas si je fais la bonne route. Bah, vous suivez pas votre carte ? Ici. Bah, il doit y avoir une route plus rapide, je crois. J'ai pas l'impression d'être. C'est vrai que quand ils sont partis. Quand ils sont partis de Saint-Denis, ils ont pris un. Ils sont partis par un autre chemin, eux. Ils ont pas fait le nôtre. Ah ouais, c'est pour ça que la dernière fois que j'étais venue, j'étais passée par un autre, mais bon. Alors désolé, j'ai les fraîches toutes quatre. Du coup, si vous m'avez posé une question à l'instant, j'ai pas vu. En tout cas, merci beaucoup. Là, il y a Titine qui est fatiguée. Et elle est pas encore entraînée, j'ai été, mais c'était chiant. Et du coup, Urka, t'es sur quel serveur? Excuse-moi, j'ai pas trop eu le temps de poser les questions et tout, désolé. Je peux payer une dame, mais je l'ai pas trouvé. Ah oui, oui, oui. Bon, après, ça se fait petit à petit. Mais bon, c'est vrai que là, vous l'avez depuis vraiment pas longtemps, alors c'est normal. Faut juste garder tout le temps le même cheval, en fait. Oui, c'est ça. Oh, dans la nuit, ça, son pelage, il brille. Ah oui ? Ouais, là, je le vois un petit peu. C'est beau. Bah, en vrai, l'autre, je l'aimais bien. Mais c'est juste qu'il était blanc, en fait. Bah oui, oui, non, il était très joli, hein. C'est vrai que... Mais blanc, c'est trop... Daz Life, ok, je connais pas du tout. Et t'as fait depuis longtemps, parce que moi, je suis plutôt débutante. Hein. Complètement même, en fait. Merci. Totalement débutante. Wow. On t'aime. Oula. Oula, je vais devoir courir. Y'a des loups. Ouais. Titine, s'il te plaît, Titine. Ouais, elle a peur, elle est pas encore en confiance. Oui, oui, bah oui, c'est normal. Allez viens Titine, on y va. Oh, y'en a en face. Y'en a en face, y'en a en face. Ouais, je sais bien. Oh cours bon. Ma belle, cours. Cours ma belle. On est là avec toi. Cours, 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 cours. Oui. Cours, cours. Et si tu cours pas, y'aura plus personne. Allez, cours ma belle, il en reste. Il en reste, on l'entend, on l'entend. Cours un peu encore. Cours, cours, cours.
faut pour passer par l'eau, il pourra plus te sentir. C'est ça, ils sont hydrobloquants. Allez, Titine, mettez-lui des petits coups de caresse comme ça sur le cul, Minivan. Bon, moi, je. Voilà, ça va mieux. Oh. Ah, c'est bon, c'est bon. Ici, je crois que j'ai jamais vu de loup, donc c'est bon. Ils viendront pas dans le coin. Ouf. Eh ben. Oui, je vais, hein, plus que l'orage. Hein. Il a ouvert hier. Ah, d'accord. Là. J'aime pas quand il y a des gens. Ah non. Ah si, c'est. Ah, ça va. Là, c'est. Je. Non, ça va, bon. Je préfère. Alors, vide, hein. C'est pas... Oui, je pense. On a failli se faire tuer par des loups. Oui, on a juste de croiser des loups. Bien, le cheval, il a paniqué. Et ça va, c'était bien l'inauguration, Orca ? Ça s'est bien passé ? Ça doit être marrant, les ambiances de tout début de serveur. Où tout le monde, absolument tout le monde, ne se connaît pas et tout. Devant le Telegram. Enfin, sauf les groupes, les gens qui commencent leur RP ensemble volontairement, mais... Ah merde, on est en ville, non ? Oui, bon, ça va, c'est plutôt... On va dire que là, il y a encore une tolérance en général, mais ça va partir des petites barrières, là. On se retrouve où, à votre avis ? J'aurais tendance à dire devant le Telegram, c'est souvent le point de rencontre. Je me dis aussi, mais... Et puis sinon, de toute façon, il y a le salon qui est vraiment pas loin du Telegram, donc... Dans les deux cas, on sera pas loin. Il y a le truc à charrette aussi. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, faut qu'il récupère sa charrette. Ah, il prend... Bah oui, pour récupérer soufre, c'est vrai. Oui, bah ce serait plus malin d'être là. Comme ça, bah, si jamais il y a un souci, on le saura aussi. Oui, je sais pas. J'ai du monde à mon bar pour le premier soir. Ah, tu tiens un bar ? Oh, trop cool. Ça, je... Moi, vu que je fais d'autres jeux, bah, je pense que je pourrais pas tenir une affaire dans un serveur RP. Mais j'aime trop l'idée. Ou alors, faut faire ça avec plusieurs personnes et se relayer, quoi. Une petite affaire, je vais en profiter. Oh bah tiens, je vais boire un petit peu d'eau. Tout pareil. Allez, couche-toi, ma belle. Le Ah non, en fait, je vais te faire partir. Pars, parce que je voudrais récupérer ta selle. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. C'est bizarre, mais bon, c'est comme... Ah. Oui, bah... Quand tu reviendras de l'écurie, ils auront mis une nouvelle selle. Ah là là. Attention. Quelle aventure, hein. Ah, salut Miss. Madame Denise. Oui, je suis là. Oh bah. Bon, je vous ai peut-être enlevé votre guide, je suis désolée. Oh bah, j'ai cru comprendre, oui, que vous vous taquiniez un peu trop et que vous avez gagné. Ah bah, je gagne toujours, vous devriez le savoir depuis le temps. Oui, ça m'étonne pas, oui. Non, mais c'est surtout qu'on se demandait, voilà, on s'est demandé s'il fallait qu'on rentre ou pas. On s'est dit, bon, ils sont pas là, on n'a pas de nouvelles, donc on va rentrer. Et puis bon, il était. Ah, vous avez miné quand même. Ah oui, bien sûr. Ah. Oui, on a fini. Et puis. Et puis, dès qu'on est rentré, on l'a vu sur le banc. En train de discuter avec Monsieur Pacifique. Non, il m'a dit qu'il a dit qu'on ferait ça ici. Il est à la banque, je crois. Ah, d'accord. Oui, il est à la banque, il arrive. Ok, je regarde mes télégrammes. Il m'a dit que pendant qu'il était dans le coma, il t'avait entendu chanter et il s'était senti partir. Est-ce que c'est pour le garder justement? Ouais, oui, bizarrement, il a voulu fuir. Bon, je sais pas si c'était la meilleure méthode du coup. Ah, c'est que peut-être qu'il aime pas les sons d'animaux agonisants. Ah, ah je pense que c'est ça, oui. Mmh. Ça dépend des goûts, hein. C'est... Peut-être fameux ou à d'ange. Ah, mais c'est un véritable ange, hein. Mmh. Ah, bah, elle fait son job pour le coup. Ah bah oui, on se demandait s'il entendait de l'autre côté. Voilà, on a la réponse. Bon après, comme quoi vous en êtes sorti sans guide, finalement. Oui bah ça allait. C'est une bonne expérience. Ça allait, et puis bah oui. En plus, c'était tout le monde était parti, je crois, quand nous on partait, et plus grand monde. Ah d'accord, bon bah. Parce qu'on avait peur de devoir peut-être une taxe au retour aussi, on savait pas trop. Ah non, pas quand même. Ça dépend des groupes qu'on croise, non? Bah c'est ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont plusieurs à revendiquer Gwarma, je crois. Il y a les Apaches. Et ça se passe bien entre tous les groupes qui revendiquent la même île? Ça doit se friter un peu. Pas vraiment, non. Ouais, voilà, ouais. Vaut mieux éviter son mêlée. Il y a un message. Vous êtes sur l'île du Réfé Sosa, je crois.
Oui, il y a le Riff Sosa, il y a les Mexicains, il y a... Bon. Ah, d'accord. Bon, c'est très joli en tout cas. La prochaine fois, j'y ferai un tour un peu plus longtemps. Du coup, oui, il vous a pas vrai. Payé ? Non, pas encore. Bah, je pense que voilà, c'était plus simple qu'il aille à la banque avant. Il doit être au marché, je pense. Ah bah allez. Mais oui, c'est très beau. Ouais, plutôt sympa les cocotiers et tout. Faudrait que j'essaye de pêcher là-bas, il y a peut-être des idiots sympas. Les Antilles. Mm-hmm. Cocotiers. Oui, bon. Ça arrive, hein. Comme disait Monsieur Duke, hein. Vous êtes tous les deux dans le noir, bon. Puisse comprendre que. Oui, bien sûr, c'est courant. Ah, mais... ah oui. Okay. Au pire, on ira faire du fer si vous en avez encore besoin. D'accord, d'accord. Bah, du fer, il y aura toujours besoin de toute façon. Ok, super. Je vous répondrai toujours de toute façon. Comment ça va ? Messieurs, dames, si vous pouviez poser votre soufre sur l'herbe ici. Parfait. Hop. Pas trop près de mon talbeu, non mais. Vous inquiétez. Ah oui, monsieur Jim, parce voilà, qu'il commence nickel. À faire tard là. Bah, c'est ça. Ah, bah, c'est très chauffé. Hop là. Et oui, donc moi, mon étal, c'est celle-là. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Mais voilà. Tac, tac, tac. Bonne nuit à vous. Oui, avec une petite pancarte Fireworks Display à côté. Sympa. Exactement. Ça, c'est pour le souffle. Ah, je l'ai pas ramassé. Il y a le cheval de Monsieur Dio qui a essayé de me stabiliser là juste avant à la banque. c'est pas très efficace. Ah bah c'est moins efficace quand c'est fait par un professionnel, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Jument ou étalon ? Ah, aucune idée, j'ai pas regardé là-bas. Jument. Mais donc la taille du pied change pas beaucoup, la taille de la patte reste un peu la même. Oui, c'est ça. Hein. Mais je commence à avoir l'habitude. Comme j'expliquais à Monsieur Jim, le truc c'est. Quand ça vous tape, vous devez vous laisser aller, comme pour du judo. Comme quand on est bourré. Comme ça. Ah oui, mais Ray n'a pas eu ce réflexe, vous voyez. On est là. J'aime bien entendre venir en courant, en gueulant. Non, mais tu vois, oui, c'est vrai. Donnez-moi tout, pardon. Ah oui, donnez-moi tout. Ah oui. Posez par terre, sinon. Donnez-moi tout. Voilà. Attention, vous deux. Avec, hein. Avec Madame Pearl, il peut y avoir 50 personnes, on la reconnaît. Bah oui. Pas de problème. Pourquoi ? Non, comme ça. C'est ma voix ? Bah c'est la fin de la pauvreté, Madame Duval. Oh, ah bah ça va un petit peu mieux, hein. Bah oui. Grâce à Monsieur Duke, hein. Bah oui, c'est ça. Pareil pour moi. Parce que bon, être opportuniste, c'est bien beau, mais ça paye pas bien. Oui, non, oui, c'est vrai. Et puis, mon truc de ne rien faire de la vie, c'est bien, mais ça gagne pas. Bah disons que c'est bien tant qu'on n'a pas besoin de manger. Oui, c'est ça aussi. Mais bon. Et au bout d'un moment, bizarrement, il fait faim. En ligne devant moi, les gens qui n'ont pas été payés. Ah bah, j'y vais d'abord. Non, c'est moi d'abord. Les dames d'abord. Et, oui. Alors, 10, moi, 5, une dame. 6, 7, 50. Ça se voit, ça se voit, vous inquiétez pas. Oh, merci. Hop, une grande dame. Grande dame. Bon. Hop, 17, 50. Merci beaucoup. C'est tout bon ? Mademoiselle Pearl, c'est 27,50 me semble-t-il. Ah oui, bah... Alors ça... Elle vous le rappellera de toute façon. 27,50. Oui, je crois qu'elle l'a bien rabâché tout le long combiné. Et là, elle me demande 27,50 de manière inquiète. Bah dis donc. C'est bon. Non mais faites pas ça si vous êtes pas des professionnels. Ah oui, c'est vrai que le soufre... histoire d'argent, ça me tend. Ouais, ouais c'est ça, je vois ça, ouais. Vous faites ça, c'est dangereux. Ouais, ouais. Ah. Suivante. Bon, décidez pas. Bon, allez, j'y vais. Je pense qu'il y a je vois ça, oui. On est vraiment proches, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Attendez, venez.
que ça marche si on se remet en bas. Vous aviez pas vu avec Monsieur Fantastique extraordinairement extraordinaire. Monsieur Fantastique. Ah oui, oui. Ah bah non, j'ai pas. Pour être son, vous voyez. Je lui avais donné mon télégramme, mais j'ai pas eu de nouvelles. Vous lui aviez donné votre télégramme, oui. Il me semble bien, oui. Ah, et vous avez pas donné le sien. Eh bien non, je l'ai. Ou alors je l'ai pas noté. Ah. S'il me l'a donné, mais je me rappelle pas qu'il me l'ait donné. Parce que ça aurait pu être une bonne idée pour vous faire de l'argent. Ça, je suis bien d'accord. Moi, je peux pas, vous êtes journaliste, ça serait quand même légèrement. Ah bah vous serez au cœur de l'action. Oui, mais ce serait pas très professionnel, vous voyez. Oui. Et comment ça avance d'ailleurs? Bah j'ai monsieur du coup qui m'a proposé de. Monsieur Horton qui m'a envoyé un télégramme. Oui. Pour me proposer d'être. C'est un monsieur qui a la Gazette, je crois, bah, ou quelque chose comme ça. C'est monsieur qui a la Gazette de l'Ouest, là, je sais pas quoi. Ouais. Mais je garde encore espoir. Ah oui, d'avoir toujours votre propre journal, c'est ça. C'est ça. Mais je vais peut-être quand même faire quelques articles pour lui. Ça pourrait être intéressant, oui. Et puis vous pourriez centrer vos articles sur tout ce qui est news aussi, voilà, et tout et ça. Je me demandais si on peut faire une vous voyez un passage exprès pour news aussi. Oui, c'est ça, une page qui serait dédicacée à cette région, ce serait assez. C'est ça. Et comme ça pourrait montrer au gouvernement que je sais écrire, tout ça, on verra bien. Oui, ça peut être vraiment, vraiment intéressant, et puis vous pourrez parler des événements. C'est ça. Donc je vais peut-être lui contacter quand même si j'étais pas trop pour. Oui, bah oui, je sais que vous préférez avoir votre propre journal. Mais bon. Le maire de ma ville est mort. Ah oui. Ah bon. Oui, le maire d'Armadillo est mort. Ah, je savais pas. Mais il est mort comment? Tu vois, il a pas trop voulu me dire. Mais c'était l'ami Monsieur Dubois. Oui, c'était le maire de. Comme lui, il enterre les gens, il sait pourquoi ils sont morts. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Et. Apparemment, Monsieur Duc me disait qu'il était jeté d'une falaise. Oh. Donc. Mais il est pas sûr. Oh. Donc je veux pas trop. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais ouais. Et si je vois Monsieur Fantastique, je lui redirai de vous contacter. Bah oui, c'est ça. N'hésitez pas à lui redonner mon télégramme s'il a. Parce qu'il est souvent à Armadillo, donc. Ah oui. Mais c'est vrai que moi, surtout pour venir vous voir, que j'y vais, mais sinon, bah, j'y vais pas beaucoup. Si je le vois, je lui redirai. Et puis sinon, voilà. Si j'entends parler de quelque chose qui vous intéresse. Oh bah c'est gentil, oui. Bah de rien. Mais vous pourriez parler aussi des méthodes pour gagner au jeu. Ah ouais? Vu que maintenant il y a des jeux. C'est vrai. Mais et ouais, ça intéresserait du monde. Bon, après, faut s'y connaître, oui. Il fallait pas massacrer les bisons, ça les a énervés. Du coup, ils ont. Alors, ils ont tiré sur le cheval de la gamine, ils l'ont tué. Après, ah oui, voilà. J'avais pas entendu tout ce qui s'était passé, on m'a dit de rester dans le salon, moi. Le cheval. La gamine a pris aussi cher. Après, ils ont enlevé. Ah oui, la gamine encore. Ils ont enlevé le. En plein milieu ici, ils ont enlevé Sassiki. Ils l'ont braqué quand il a dit qu'il avait 13 ans, ils ont dit que bon, quand même, ils n'allaient pas le tuer. Ils l'ont laissé à terre. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Tatsiki, il est blessé? Non, bah. Ah, d'accord. Il a été blessé, oui, il a une côte cassée. Il va bien. Bah ouais, mais bon, autant dire que les ponies, là, ils étaient au bout. Ça a été un de mes premiers. Bah, c'est normal. Mes premiers amis dans le pays. Mais les Durand, les seules fois où j'ai entendu parler d'eux. Honnêtement, c'était le feu un peu partout. En plus, les ponies, honnêtement, ils sont irrespectueux, ils cherchent pas des bases. Ah bah oui, oui. Les ponies, c'est des amours. Kashina, c'est elle qui m'a offert le cheval. Et ils sont partis, là? Les voteurs de troubles? Ils ont fui, hein, parce que du coup, ouais. Mais là, ils ont une interdiction de ville, déjà. Oui, s'ils ont frappé le maire. C'est les plus souvent qu'on tapait le maire. Ah oui, d'accord, ça a été. Ils savent se faire des amis. Ah oui, je vous avoue que là, je suis un peu au bout de mes chaussettes. ça commence bien votre service de maire adjointe. Et là, on se dit, on va faire un tour de bateau pour prendre un peu de calme. On descend sur une île qui devait faire aller 3 mètres carrés. On se piquait tous les deux par un serpent. Ah oui, d'accord. Avant de partir, je vois les shérifs dans la rue, je traverse, mais vraiment pour leur dire merci monsieur, dans la joie. Merci monsieur, je me prends un cheval que j'avais pas vu en pleine tête. Mais. Ah, la soirée. Oh, j'en peux. Faut demander à t'augmenter, hein, vraiment. Oui, c'est. Ah, prime de risque. On quitte la paix aussi. Je sais pas, c'est cher payé.
Ah non, y a pas d'argent assez là. C'est. Dire que j'ai échappé au fait d'être mère. Oui, c'est vrai que vous auriez tout ça à gérer dès la première journée. Ça s'est joué à une voix quoi. Ce qui est rigolo, c'est les gens qui sont adorables, qui n'ont aucune lecture de la scène, de ce qui se passe dans la ville, et qui viennent vous voir pour les trucs les plus improbables. Oh oui, je suis en train de chercher les shérifs pour dire il y a les Apaches d'un côté, il y a une Marshall que vous voyez pas de l'autre, et voilà. Il y a quelqu'un qui me voit, qui fait, alors vous voulez ouvrir une école? Je suis dans le Bah, Dexter qui a voulu me vendre sa viande. Ah oui, c'est ça. Ah, mais Dexter, il a toujours un timing assez incroyable. Ouais, ouais, bah, nous aussi, Daphné. Miss Park, oui, était pas au courant. Ah oui, c'est vrai que vous aussi, oui. Il vient me voir, qui me dit, mon collègue, il est parti en intervention au ranch, mais visiblement, il est parti sur un cougar, et il est lui-même blessé, donc il y a peut-être un cougar, donc je vais chercher. Albert, qui est en train de témoigner sur le shérif pour qu'il l'accompagne, il a me fait, mais non, c'est le ranch qui est au-dessus, là-bas. En fait, elle parlait de la femme Parker, j'ai pas... Peut-être pas envoyé Albert, hein, peut-être plutôt envoyer les shérifs, du coup, s'il vous plaît. Ah, mais oui, parce que oui, c'est... Ah bah oui, ils sont à la ferme Parker, du coup. Ah oui, ça n'arrêtait pas. Bah nous, pas d'instant, c'était cool. Ah ouais. Vous avez passé une bonne soirée, fait un coma. Pas du tout blessé, en plus, chez nous. J'ai pas du tout fait un coma sur Varma. Vraiment, une minute après être arrivé, quoi. Daphné, c'est des câlins un peu brutaux avec son ami. Vous avez trouvé un doc, ça a été ou... N'allez pas par là, c'est dangereux. Vous pouvez pas venir à Gordon. Ah mais oui, c'est vrai. C'est les petits Z qui sont venus. Les internes. Ah, tant mieux. Internes. Bon. Ça a été un peu compliqué, quoi. Ah bah j'imagine, ouais. Big cadeau, comme on dit sur le Gormo. C'est ça. Je crois que le moment le plus improbable, c'est quand il y avait tout ça, on était au Télégramme, et un coup on voit la montgolfière qui décolle. Mais quelqu'un qui a j'ai jamais essayé, tiens. Oui, c'est bah, 25 c'est un dollars. Maintenant, ouais. 25. Oh, il y a beaucoup. Oui, bon, je mettrai ça dans un fal ou dans. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a monsieur Well qui avait fait un dossier hier pour reprendre l'entreprise. Ah non, mais je vais pas acheter une montgolfière, hein, je vais juste faire un tour. Oui, c'est ça. Ouais, bah c'est. Ah oui, il va faire un tour, c'est 25 dollars. Et voilà, Cacagénère va bien là, on s'est fait la moula. Rendez-moi cette moula. Ok. Alors que j'aille à Valentine déposer mes sous. Hier, on a reçu un dossier pour la reprise. C'est étonnant. Ouais, mais comme. Ah, c'est bon. À plat, le ballon, il me fait un tour de montgolfière à 25 dollars, moi je reste dedans. Hein. Bah oui, bah c'est ça. Hein. Bah sur place, on peut monter à la manier la montgolfière. Ah oui, parce que ah, vraiment. Ah oui. Ah oui. Et on peut, mais on peut pilote, vraiment hein. faire un tour avec, se déplacer comme on veut. Ah oui, oui, bah oui, moi j'ai vraiment. Oh oui, c'est dangereux. Je m'en suis rendu compte, je suis au Télégramme, hein, je me retourne, je vois une montgolfière dans le ciel. Je pensais que c'était juste pour voir la ville de haut, comme dans certaines villes. Ah oui, non. Apparemment, ça peut être à plusieurs. Vous pouvez monter à plusieurs, ouais. Oh bah ça va, 25 dollars en fait, genre 5 bah, dollars. On peut être 4. Non, mais depuis que monsieur Duke qui vous doit 10 dollars, vous n'avez plus la notion de l'argent. Non, mais on met 5 dollars chacun, ça fait une petite balade en montgolfière, en vrai ça va. Ouais, mais est-ce que c'est pas 25 dollars par personne? C'est ça. Ah non, c'est 25 dollars. Ah, d'accord. Voilà, donc ça va en fait. Enfin, ça va, je veux dire, ça reste plus correct que. Oui, si on rentre à 10, 15, ça va. On se met à 20 dollars. Alors, je pense que déjà à 5 c'est serré. Hein. Je pense aussi, oui. On a l'habitude de se serrer, nous, hein, à chaque fois. Ouais. C'est vrai qu'on est collé, oui. Oui. On est collé, c'est ouais. Comme dirait M. Pacifique. Ouais, sinon, vous avez testé un peu les tables de Blackjack. Ah, le Blackjack, oui. Ouais, j'ai fait un peu. Moi. Bon, j'avais aussi à. 21 première partie, tranquillou. À pas trop perdre. Bravo. Bon, bah, voilà la chance, hein, le Blackjack. Là. Bon, j'ai appris qu'il y avait une roulette aussi, mais je sais plus où. Ouais, il y en a une au saloon ici à l'étage aussi. Donc, Et je crois qu'il y a une roulette à Tumbleweed, je crois. Ah, je peut-être bien. Ah, aussi. Peut-être. Dommage. S'il faut compter sur la chance, je vais passer mon tour, moi. Faudrait que j'aille voir ces fameux pièges à ours aussi à Tumbleweed. Ah oui, au milieu de tout ça, aussi les baignades. Ah oui, parce qu'il y a des animaux apparemment. Il y a des animaux particuliers à chasser. Des animaux rares, ouais. On comptera la légende. Exactement. Chose, quoi. Mais on les revend plus cher du coup. Bah, Daphné, je pense que c'est plus pour l'expérience. C'est vrai que Daphné, là, vous faites. il est bizarre votre calumet, quoi. Ça, c'est chacun son style. Elle a des multiples addictions. Oui, c'est ça. Les coups et. Mais tout en même temps. Ça va mieux? C'est mieux, ouais. Merci beaucoup.
Non, parce que c'était... Bah après, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais... À Gourmand, on a vu. Pour la fumée par le boulot, Non, moi, ça aussi, je juge plus personne, hein, je vous le dis. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, j'imagine, oui. À Gourmand, il y avait un sanglier sur un toit. Je pense que c'est lui, le sanglier légendaire. Ah, c'est possible. Un légendaire. Ah, peut-être, oui. Très légendaire. C'est les antilopes sur l'écurie, aussi. Ah oui, aussi. Ah, oui. C'est juste ce que vous disiez. Ou sur le nouveau toit, bon, tout à l'heure, sur le toit de la banque, il y avait un renard et en face, il y avait un blaireau. Ah oui, des blaireaux. Ça pourrait être une. Je parle de blaireaux. Ah oui, d'accord. Ça pourrait faire une fable sympathique, ça. C'est vrai, on dirait le début d'une histoire rigolote. Oui, avec une morale à la fin. Du coup, au début de soirée, Monsieur Duc avait un souci avec les shérifs. Il avait tiré une flèche sur une antilope sur le coin de l'écurie. Si ça avait été ça le seul problème de la soirée, ça aurait été bien. Hein. Ah, ça fait une belle entrée en matière. Oui, bah oui, c'est sûr. Si ça pouvait être sur tout le sommet et qu'après on soit plus dans la tranquillité, ça pourrait être bien, quoi. Oui, puis du coup, vous pouvez éviter de frapper le maire pour son entrée en matière. Oui, voilà, c'est pas mal aussi. Oui, ça par contre, vraiment, enfin, c'est ridicule. Mais tellement gentil en plus. Bah oui, c'est vraiment pas le genre de personne. Ah, c'est un petit peu, oui, il a pas l'air bien méchant, quoi. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais quand on pense qu'au début de soirée, le problème des shérifs, c'était que vous aviez tiré une flèche sur une antilope. Ah oui, c'est des gros problèmes. Gros drame dans la ville. Ah, le reste de la soirée, on a arrêté l'antilope. Hein. Ouais. Ouais, techniquement, maintenant, vous êtes une adjointe de guerre, quoi. Une adjointe de combat. Ah ouais, là, je peux tout faire. J'ai distribué du thé toute la soirée. J'ai remonté tout le monde au saloon. Multifonction. Il y a eu des tirs de feu dans tous les sens aussi, parce que les concitoyens avaient un peu craqué. Ah. Ouais. Ils étaient plus cons que citoyens. Ah, ça arrive souvent. Oui, c'est en deux mots. Par contre, ils sont devenus vraiment féroces. Des fois, juste on les regarde et ils s'énervent. Ah, bah là, ça sent des armes à feu, quoi. Donc, Je me souviens d'un coup de shotgun, non? Oui. Je me souviens. Mais moi, à la rigueur, je l'avais un peu bousculé, quoi. Mais il y en a juste on les regarde et ils s'énervent. Ah, bah, tu te souviens l'autre soir à Annesburg, quand je suis passé devant et qu'il m'a tiré dessus? Ouais, tu l'as juste regardé, quoi. Ah oui? Ouais, vraiment, genre elle a rien fait. Il a juste dû pas aimer comment elle la regarde. Mais ouais, c'était un peu bien. Du coup, c'est celui-ci ici, votre étal? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est à l'opposé, ouais, du coup, on est en diagonale. Vous lui avez donné un petit. Bon, allez, moi je vais faire peur à Pauline. Ah, parce que là, j'en peux plus, là. Je vais arrêter la VOD. Et puis. À moins qu'il se passe un truc, genre je vais peut-être pas en refaire une pour ce soir, on verra. Bon bah je vais faire, voilà, ici c'est parfait. La pause pipi, ouais. Bisous VOD, c'était Gourmand.